Tina Turner n'est plus. La chanteuse américaine, connue notamment pour ses tubes comme The Best ou encore What's Love Got To Do With It, est morte en cette fin du mois de mai 2023, à l'âge de 83 ans, dans sa maison de Zurich, en Suisse. C'est avec une grande tristesse que nous annonçons la mort de Tina Turner. Avec sa musique et sa passion infinie pour la vie, elle a enchanté des millions de fans à travers le monde et inspiré les stars de demain, a indiqué le communiqué posté sur son compte Instagram. Née sous le nom d'Anna Mae Bullock dans le Mississippi en novembre 1939 au milieu d'une famille d'ouvriers, celle qui deviendra, par la suite, Tina Turner, a connu une enfance marquée par les coups que son père lui infligeait et l'absence de sa mère. Elle commence sa carrière dans les années 1950. Elle croise ensuite la route d'Ike Turner, un guitariste qui lui fera connaître la gloire et qui deviendra également son mari. En 1976, elle fuit cet homme violent pour sauver sa peau. Grâce à sa voix et à son caractère de feu, elle parvient à retrouver le devant de la scène dans les années 1980. De Tina Turner, au-delà de ses tubes, on retiendra également sa chevelure époustouflante. Les années 1980 sont les siennes. La chanteuse est partout, à la radio, sur scène, sur grand écran. Mort de Tina Turner, elle avait perdu deux de ses fils. Ces cinq dernières années en 1992, Tina, un biopic, lui est consacré. Tina Turner est interprétée par Angela Bassett. Trois ans plus tard, elle interprète la bande originale du James Bond, GoldenEye. Il s'agira de son dernier véritable tube. En 2009, elle décide de faire ses adieux à la scène. Ces dernières années avaient été beaucoup plus compliquées pour la chanteuse américaine qui avait notamment perdu deux de ses quatre enfants. Son premier fils, Craig, devenu agent immobilier, s'est suicidé en 2018 avec une arme à feu. Son deuxième, Ronnie, est décédé d'un cancer du côlon en 2022 après avoir vécu plusieurs années avec Tina Turner, ancienne candidate de télé-réalité en France.